Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Lord of Pixel pour le playthrough de Resident Evil 6 en compagnie de Xio. Salut. Et Xio. De moi-même, Faucheur. Non, rien, c'est. J'attendais une suite en fait. Ouais, mais non, si ça fait court. Ce salut va devenir légendaire. Voilà. Et ouais, donc. Non, casse-toi. Donc en compagnie de Xio hein, pour le playthrough de Resident Evil 6. On va vous laisser savourer la cinématique et on dira le reste après. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudre. Responsable pour avoir une chance. Votre amitié a toujours compté. Restez où vous êtes. Monsieur le Président. Le président est mort. Ah oui, bah ouais, ah oui, bah ouais, ah oui, bah ouais. C'est à cause de moi. Dans la jungle. Exact. Non, maintenant c'est dans Raccoon City. La cathédrale de Tolox. Je vous expliquerai là-bas, agent Kennedy. Vous savez comment je m'appelle ? Ah oui, t'es connu dans le service. Oui. Avec sa gueule, c'est normal. Vous allez bien. Beau gosse du service. C'est Lena Harper. Elle a rejoint les services secrets l'an dernier. Je suis vraiment heureuse de voir que vous allez bien tous les deux. Bon, trêve de présentation. Faites-moi un rapport détaillé sur la situation. Je viens de tuer le président. Comment ? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Il m'a sauvé la vie. C'est terrible. Très bien. Je transmets l'info. De votre côté, essayez de vous sauver de là. Le virus s'est déjà répandu à 4 km autour du campus. Et il ne ralentit pas. Dépêchez-vous. Il faut qu'on inspecte la cathédrale de Tolox. L'agent Kennedy a une piste qui pourrait mener aux responsables de tout ça. Léon, c'est vrai. Hé, hey, je tiens peut-être quelque chose. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. C'est fou comme maintenant, les jeux ils font beaucoup de cinématiques. Ouais, c'est bourré. J'ai une piste. Heureusement, on n'a pas de QTE. Oui, on n'a pas dans... Si, il y en a dans le jeu. Ouais, il y a des QTE, mais pas dans cette cinématique-là, tu sais. Ah oui, oui. Un jeu sans QTE, non mais... Ça n'existe plus de jour. Donc on est parti dans l'aventure de Resident Evil 6. Le premier chapitre, du moins la première partie du premier chapitre, risque d'être un tout petit peu rapide. Parce que dû à des soucis d'enregistrement, on l'a recommencé je crois 3 ou 4 fois. Donc on a un peu gavé de cette partie. On va essayer de faire assez vite pour aller, pour aller à l'intéressant. Hein, pour que ça commence à fighter du zombie. En plus. Exactement. Madame, je suis désolé. Alors ça marque la partie, enfin l'aventure de Léon. Ouais, on l'aventure de cette église est si spéciale. Ouais. Ça va être drôle. Donc voilà. C'est dur à expliquer. On a fait le jeu. On le débute 2-3 fois. On va rejouer que c'est dingue. Poops. Poops. C'est bon. On reste calme. Pouce vert pour les poops. Tu me raconteras tout une fois qu'on sera à la cathédrale. On visite quoi la Tesla? On la visite pas? Non, il y a que dalle de toute façon. Il y a un mec qui s'est mis une balle, c'est tout. Il devait s'ennuyer autant que nous dans ce moment. On peut toujours pas se rinter. Exactement. Donc ouais, Resident Evil, hein, une série qu'on ne présente plus, basée autour des armes biologiques et des morts vivants. Oh, oh là. Et parfois de la magie bizarre hein, dans le 4. Ah ouais. Ouais, je peux courir. Un culte. Si t'envoies un vise la tête, ça marche bien. Un classique des zombies.
vise la tête. Oh. Non, je vais tirer dans les couilles, c'est là que ça fait mal. Eh, hey, ils nous ont pas attendu pour la fête, les bâtards. C'est là que la réception devait avoir lieu. On va crever les ballons. Ils seraient tous là, ouais, en train de se venger. Tu penses qu'il y a des survivants? C'est quoi cette question? Tu penses qu'il y a des survivants? Non mais... Non, des Léon, t'es demain? Qu'est-ce qui se passe? Non, en plus, y'a pas une goutte de sang, y'a rien, quoi. Ça, quoi. Tu es l'un des survivants. Ouais. Je le dirai jamais. On va aller dans ta fameuse cathédrale. Si t'as quelque chose à voir là-dedans, tu peux dire adieu à ta liberté. Ouais. Est-ce que je vais te séquestrer dans la cave? C'est des menaces, quoi. Cuir, 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 moustache. C'était quoi? Un petit monsieur qui se sauve. Allez, on peut sprinter. Allons-y. Let's go! Je vais courir, on peut pas encore sprinter. Ouais, c'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà ça. Hein. Crache pas dessus. Aïe. Genre, toi, est-ce que tu te dis, ouah, c'est super réaliste en fait, je touche la chaise, elle tombe. Mais non, c'est la selle, elle est scriptée. Allez. Dans le fond. Non, sans blague. Je crois qu'il n'a pas le choix. Pas vraiment, non. À chaque fois, je me dis que le mec, c'est un putain de super saiyan, la vitesse à laquelle il se déplace, quoi. Il a rushé comme un fou. Ouais, il vole, il court pas le mec, il vole. C'est Superman. Pourquoi t'as couru alors? T'as quelque chose à te rapprocher. Vous allez bien? Il a l'air d'aller bien. Quoi? La brume. Elle est apparue d'un coup. Elise! Ok. Non, lâchez-moi! C'est trop dangereux. Ma fille, elle est toute seule. Si on n'agit pas vite... C'est bon, ça va. Mais mettez-la en veilleuse, vous la reverrez jamais. Vous comprenez? Ouais. C'est votre fille. Et ta femme, non? T'oublies pas quelque chose? Ok, trouvons-la. Ouais. Elle est déjà morte. C'est marrant quand même parce qu'il a deux enfants et sa femme, mais il veut juste la fille là. Moi je dis il y a quelque chose derrière, l'inceste. Où es-tu? Ah, quand on voit la demoiselle, on comprend. Hein. Enfin, pas non plus. Oups. Hey, très bien. C'est quoi ce bruit? C'est moi, désolé, j'ai mangé des nachos. Oh non. J'ai failli sursauter alors que je le connais, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? La plaque qui tombe du plafond. J'ai jamais fait attention. Ah mon dieu. Des rats. Casse des vitres et tout. Qui a tout éteint? Tiens, dans ta race. Sois prudente. Dans ta race. Il fait super noir avant d'entrer dans la pièce et puis une fois intérieur, il fait plus clair. Ah, c'est notre petite lampe de poche, elle éclaire tout. C'est ça. Technique de super-héros. Boum. Oh. T'as mis ta face sprinter, toi? Putain, moi, je suis toujours... Je suis pas plus vite que lui, quoi. Ça souffle ici. Ça souffle ici? D'accord. Restez par là. De l'air qui passe. Merci. Dommage, ici, on en avait une bonne en plus. Tu crois plus fort que moi? Tu me parles avec ton... ton colloque... Enfin... Talkie-walkie? Voilà. Ah, attends, j'ai coupé ça. Ah non. C'est dans le jeu, t'inquiète pas. Ah, le personnage. Oui. Ah, je pensais que t'entendais ma voix avec le talkie. Non, non, c'est trop... Bah, je crois que c'est comme ça, si tu laisses la discussion du jeu. Peut-être. J'aimais bien ça, je sais plus c'est dans quel jeu... On entendait les gens à portée de nous, c'est ton papa. Tu vois. Ah, mais c'est dans Red Dead. Red Dead Redemption. Ouais. Quand t'avais le casque, que tu jouais sur la Xbox, ouais, et que t'avais le casque, t'entendais les gens quand ils étaient tout près de toi. C'était un bon jeu. Un peu vide malheureusement le multi, mais bon. Ouais, mais bon. C'était une très bonne idée, quoi. Il en faut, on en prend un autre bientôt. Bah, moi je me suis attaqué, si jamais tu veux, je l'ai, c'est celui avec les zombies. Red Dead avec les zombies. Ah ouais. J'essaye. Ouais, non, sur Xbox. Seulement Xbox. Je pense pas qu'il y ait Red Dead sur PC, je l'ai jamais vu.
Je sais pas, comme c'est Rockstar, GTA sur PC. Ouais, bah bon. Allez, bouge tes fesses, elle est pas là ta gonzesse. Hein. Aïe aïe aïe. On change un peu de sujet, c'est tellement long. Ouais, on tue le temps. Non, bah, Razel, ils vont faire ça. De quoi? Qu'on a apporté à proximity, ils vont lancer le chat vocal. Mais bon, ça c'est une option à activer ou pas. Je vais pouvoir ressortir mon brain. Je vais en faire flipper plus d'un. Je vais mettre près des grands magasins. Brain. Ah. Il fait quoi là? Je sais pas, il se touche. Allez, bouge ton fion. Attends, on va t'aider. Vous allez bien? Il a l'air d'aller bien. Putain. Oui, ça ira mieux quand j'aurai trouvé ma fille. T'as pas marre de poser cette question, toi aussi? Ah, oh, ça va, je suis con, c'est pas de ma faute. Ça a coupé. Je sais qu'elle est là. Tu sais, ça c'est marrant, t'as une attaque de zombies. Et ils perdent les satellites, ils perdent l'électricité. Non, mais c'est des racailles, ces zombies. Franchement, c'est vrai délinquant. Ah putain. Les designers se sont échappés, on fait quoi? Ben on empile la caisse. Il faut relancer l'ascenseur pour y aller. Ah, le fameux ascenseur qu'on relance mais qu'on relance pas. J'ai les clés. Une fois là-bas, on prend ma voiture. Merci. Il faut qu'on trouve votre fille et qu'on parte d'ici. Oh, ce petit son, regardez. Tellement agréable. Liz, c'est toi? Je vais me remettre un Silent Hill, moi. Ça fait longtemps. C'est un jeu vraiment flippant. Ouais. Oh, j'ai testé le nouveau Slender, il est pas mal. Moi aussi. C'est marrant. Je me suis bouffé. Bah moi aussi, à la cinquième page. Quoi, au début? Dans la forêt? Juste après... on a réussi. T'as réussi à trouver les 8? Ouais, après c'est... je me suis fait bouffer, c'est un genre de... tunnel, métro. En travaux, c'était bon. Paf! Comme ça devant moi, quoi. J'ai un peu le temps de tourner le regard. Bah moi, à un moment, il s'acharnait. Il était tout le temps derrière moi. Il me suivait continuellement. Ouais, il te lâche plus un moment. Bon, je crois qu'il veut qu'on ouvre la porte. Ah, mais t'arrives plus à te concentrer avec la caméra qui fait n'importe quoi. Bah ouais. Mais je joue à... Amnesia. Faut que je le fasse, je l'ai pas encore fait non plus celui-là. Oh, du sang. Oh mon dieu. Et du sang. Ah, une fille. Underground, bitch. Elle est un peu sale. Je me la ferai quand même. Elle est fatiguée. Ah. Liz. Elle a bouffé ses collègues. Il ne l'a pas dit. Papa. Bon, moi, je bouffais le donut en dedans. Oh, putain. T'as vu la taille des donuts? Ils se font la taille de notre tête. À la maison. C'est trop bon. Un peu de sucre, un peu de chocolat et tout. Bref, ça dépend en fait. Donc, ils font des gros donuts aux États-Unis, mais j'ai déjà goûté un donut soi-disant avec la recette américaine. C'est pas aussi moelleux que les nôtres, tu vois, c'est assez sec. Comment on sort de cet endroit? C'est pas bon. Bah non, moi je préfère la pâte qu'on a chez nous. Mais bon, je pourrais pas en bouffer autant que je veux, sinon je ferais 50 kilos en plus. Je serais monsieur Bibindo. Allez, on va plus vite, on va accélérer dans le début. On est désolé pour ça, c'est... les jeux scriptés malheureusement c'est ça. Ah, je fais doubler. Ah, là, il m'a Priez avec nous pour qu'il n'y ait pas de problème dans les prochaines vidéos, qu'on puisse enchaîner et avancer un peu. Ça fait juste une semaine, je crois, qu'on avait commencé. Ouais. Pas loin. On va essayer de faire quelques... On va dégager le chemin. Putain, oh. Ouais, quelques vidéos, il m'avait bloqué le salaud. On va essayer de les faire assez vite, quoi. Heureusement que vous étiez là. Ah ouais, c'est sûr, t'aurais pas su bouger ça tout seul. On est des super-héros. C'est ça, quoi? Oui, j'ai un peu un tableau devant moi. Hé, je cours. Oh yeah. Et maintenant, une personne avec un qui tousse beaucoup, une personne qui a des yeux bizarres, et deux agents secrets dans un ascenseur, qu'est-ce que ça fait? Ding. Pourquoi on s'enferme toujours dans un ascenseur? Pourquoi pas utiliser la cage d'escalier? Tu sais, s'il y a un zombie dans la cage d'escalier, tu mets un shot, il dégringole. Ah, mais là... Punaise, quoi. Des fois, tu te demandes. Hein. Tout ira bien, allez-y. La dernière fois, j'avais vu justement ce qu'on avait mis sur Facebook, là. Quand il y a une invasion de zombies, les gens qui se retrouvent dans ces films ou ces jeux-là sont les gens qui n'ont jamais vu de film ou de jeu sur les invasions de zombies. Ouais, on dirait bien.
Elle a respiré un CP, elle est morte. Et bien sûr, la lumière déconne, voilà, petit cliché. Eh ouais, elle est morte. Bon, t'inquiète, c'est la première d'une longue série. Tu vas pas tarder à y arriver. Sans blague, c'est le chinois qui a arrêté de pédaler à la cave. Blague raciste, bonjour. Quelqu'un mange. Je fais le même bruit quand je mange des donuts. Et j'ai la même tête avec le chocolat partout. Elle est déjà morte, tire! Pas dans la tête, mais elle crache pas. Patate dans la gueule. Ah, c'est ça encore. Patate quoi. Bon, je mets une balle dans le rein. Allez, prends une deuxième. Trois balles dans ta face, biatch. J'adore, c'est qu'elle vient de mourir, elle est déjà toute blanche. Ouais, ça va assez vite. Les cellules et tout. Le virus a évolué. C'est eux ou nous. Attention, encore un copyright qui arrive. C'est un virus qui transforme les gens en sosie de... en zombie de Francis Lalanne. Dans Virus. Elena, sors ton arme. Virus, le film, ouais. Avec, ben, dans le truc de Virus, dans le joueur du grenier. Ah, mais ouais. On n'use pas de munitions, on y va.